Faites-nous rêver, Julien. Ça penche de quel côté? En faveur de l'équipe de France ou de la Croatie? Ah, c'est kiff-kiff, Messaoud. C'est kiff-kiff. On va directement filer en Espagne avec la presse madrilène et Marca. Regardez, nous jouons la finale avec vous. Pourquoi? Parce que Marca met à l'honneur les pensionnaires de la Liga qui s'affrontent ce soir. Regardez Samuel Umtiti, Raphaël Varane ou encore les madrilènes de l'Atlético, Versalco, Antoine Griezmann ou Lucas Hernandez. As France-Croatie, le football va élire son roi. Et oui, on parle déjà de Ballon d'Or. Effectivement, entre Antoine Griezmann et Luka Modric qui se disputent le Ballon d'Or pour la presse madrilène. On peut en discuter. Il y a d'autres prétendants. On va d'autres noms. Clairement d'autres prétendants. Donc les Espagnols font comme les Français de la récupération. Là, j'ai l'impression, Stéphane. Bien, exactement. Ça. On file avec le Mundo Deportivo, la presse catalane, justement, qui met à l'honneur deux joueurs du Barça. Le jugement final entre Samuel Umtiti et Ivan Rakitic. Et puis du côté de la presse portugaise, regardez, le Monde a un œil sur eux avec Kylian Mbappé et Luka Modric qui font la une du journal portugais. Et puis on va filer en Italie, la Gazzetta dello Sport, pour terminer cette revue de presse. Une finale jamais vue. Et oui, première finale de l'histoire pour les Croates. C'est la troisième pour les Bleus, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Messaoud. Mais tout le monde en parle dans le monde, forcément.